on voulait vraiment bénir le Seigneur pour cette opportunité et aussi vous remercier vous tous, tous qui nous avez accueillis avec un grand cœur. Et il y a des frères et sœurs qui se sont mobilisés pour qu'il y ait ce programme. Vous savez, ceux qui ne nous connaissent pas encore, on a beaucoup travaillé en Côte d'Ivoire pendant des années. Je me rappelle en 2006-2007, on venait, même bien avant, je crois, si je ne me trompe pas, on venait souvent et on a vécu de belles choses, on a vécu des moments de visitation puissante, hein, des visitations glorieuses du Seigneur. Et puis le Seigneur nous a orientés autrement et nous vivons des choses qui nous choquent. Nous sortons du Gabon, on était au mois de février cette année, hein. Il y a eu combien de baptêmes en soi là? 422. En février, 422 baptêmes en février au Gabon. Chapitre 12, vous avez la parole, n'est-ce pas? Amen. Voilà que. Donc, on a encore une petite bonheur. Hein, voilà. Marc chapitre 12, verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu,
s'approcha de lui et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Quel est le premier de tous les commandements? Ce que je vais partager avec vous va certainement nous encourager parce que moi ça m'encourage beaucoup. Et ça c'est la question d'un scribe, hein, un homme de lettres, un docteur, un enseignant, un lettré. Et le Seigneur lui répond. Jésus lui répondit, le premier de tous les commandements est Shema Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Écoute, Israël. Ça, ce n'est pas encore le premier commandement. Il n'a pas encore bien répondu à la question. Il est en train, n'est-ce pas, de préparer le chemin pour répondre, pour que la personne, pour que le scribe comprenne le message. Il dit, Shema Israël, écoute Israël. Le Seigneur ici parlait en araméen, mais il pensait en hébreu. En fait, il ramène cet homme à Deutéronome chapitre 6, le verset 4. Ça, c'est le commandement. C'est la prière la plus connue chez les Juifs. Si vous allez à Israël, si vous rencontrez un Juif, si vous parlez, vous lui parlez de Shema, Shema Israël, il connaît. Tous les Juifs connaissent. Shema Israël. Ça veut dire quoi? Shema, ou en français, chemin. Shema veut dire écoute et comprends. Écoutez et comprenez. Parce que tout le monde peut entendre un son et ne pas le comprendre. Je prends un exemple. Comment dit-on viens en bété? Yi, c'est ça? Yi, c'est ça? Qui a entendu? Yi, qui a entendu? Tout le monde, vrai ou faux? À part ceux qui ont des problèmes d'audition. Et qui a compris? Pas tout le monde. Alléluia. Donc, on peut tous entendre le même son et ne pas le comprendre. Il y en a qui vont le comprendre parce que c'est leur langue, parce qu'ils ont les moyens. Hein, les capacités d'interprétation, de comprendre, et d'autres qui n'ont pas les moyens. Vous voyez? Si je dis, donne, ça veut dire, comment je dis, donne? Nien? Nien? Si je dis à Alain, qui est d'abord, nien? Vas-y, qu'est-ce que vous dites? Il est fou. Il entend? Nien? Mais il ne comprend pas. Alors, chemin Israël, c'est entendre et comprendre. Écoutez et comprenez. Parce que si vous enseignez des gens, si vous dites aux gens, il faut aimer Dieu, tout le monde entend. Mais tout le monde ne comprend pas. C'est vrai. Vous comprenez? Donc, chemin Israël, c'est il faut écouter et comprendre. Il faut écouter et comprendre. Or, la compréhension ne vient pas de l'homme. Non. Tout le monde écoute, mais comprend, ça c'est vient de Dieu. Amen. C'est Dieu qui nous ouvre l'intelligence. Amen. Alléluia. Amen. Regardez. Le Seigneur a dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtis. Tout le monde a entendu, mais vous. Mais qui a bien compris? Très peu. Quand on l'a arrêté, les Juifs, les grands docteurs, hein, qui avaient la Torah, les grands diplômes, ils ont dit quoi? Il avait dit, il faut détruire ce temple, qu'ils nous avons construit pendant 46 ans. Et lui, il dit, dans 3 jours, on va le reconstruire. Nous, on avait 46 ans, mais c'est en 3 jours. Ils ont compris en l'envers. Même ici, hein, on en sait, si on sort d'ici, on dit, on en sait quoi, ah, c'est fort. Bonjour. Il a parlé de quoi? Ah, c'était puissant! Dites-nous, qu'est-ce que vous avez compris? Voilà le problème de chemin. J'enseigne ici, on est
sur quoi? Vous allez avoir 300 ou 200 réponses différentes. Et c'est ça qui est dramatique dans nos assemblées, avec les hommes, simplement. Shema Israël, avant que Jésus ne réponde à ce scribe, il lui a rappelé le Shema Israël. Écoute Israël, écoute et comprends Israël. Parce qu'on peut écouter un conseil et ne pas le comprendre. On peut écouter un son et ne pas le comprendre. Paul dit, si la flûte rend un son confus, qui se préparera à la guerre? C'est la trompette. On entend le son de la trompette, mais on ne comprend pas. Jean est prévenu en tant que messager. Il a crié, il a crié, il a crié comme un chauffard, comme une trompette. Il a crié, 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 crié. Même les plus grands rabbins, les plus grands enseignants n'avaient pas compris son message. Mais peut-être avaient entendu le son de sa voix. Le problème, c'est ce que tu as dit, voilà. Nous sommes venus encore pendant des années, on a donné des enseignements, on a crié, on a souffert, on a pris les risques, on a pris l'avion, on venait souvent. Mais où est la santé? Où est le... Vous allez voir que c'est beaucoup avec entendu, mais très peu ont compris. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui se battaient pour les titres, pour les postes, le leadership. Moi, je dois faire ci, je dois faire le ministère. Les gens ont compris le ministère. Pour de comprendre la relation avec Dieu, ils ont compris le ministère. Vous avez vu le problème? Shema Israël. En Afrique, nous avons le problème. Je vais vous parler ouvertement. Ce que je vous dis, ça peut vous choquer. Je veux choquer. Alléluia. Vous faites des jeunes. Je veux vous choquer. On va parler Shema Israël. Vous faites des jeûnes de 21 jours, Daniel. Daniel a jeûné combien de fois? A fait combien de fois 21 jours? Une seule fois. Vous en avez appelé des jeûnes de 21 jours ici? Il y a trouvé la sorcellerie. On va parler. Alléluia. Jésus, notre maître, a fait combien de jours de canon? Canon 40, c'est combien de fois? Daniel a combien de 40 jours ici? Plusieurs. Ah. Le jeûne de Esther, 3 jours à 5. Esther a jeûné combien de fois 3 jours? 3 fois. Une seule fois 3 jours. Et vous, Daniel a combien de jeûne de 3 jours à 5? Plusieurs fois. Vous perdez beaucoup de kilos. Ce sont des régimes que vous faites. Alléluia! Vous volez, vous mentez, vous courez après le ministère. Vous faites 3 jours à 5. Vos jeunes là sont nuls. Bon. Shema Israël. Alléluia. Vous avez compris le Shema Israël? Écoutez et comprenez. Voilà, ça c'est important. Voilà. Vous avez compris ça? Regardez, pour vous montrer à quel point c'est important de comprendre. Le Seigneur dit aux apôtres, allons, notre ami Lazare dort. Oui. Hein? Ils ont compris. Lui il prenait la mort. Et ils ont compris le sommeil. Voyez le chemin, le langage de comment Dieu parle. Pour comprendre l'enseignement de Dieu, il faut avoir la compréhension divine. Il faut avoir les yeux ouverts que Dieu ouvre l'intelligence. Voilà. Regardez. Le premier homme à parler du chemin Israël, c'est Jacob. Il allait mourir, Genèse 49. Il rassemble ses enfants. Chez les Hébreux, un père ne doit pas mourir, ne devait pas mourir avec son onction. Avant de mourir, il devait laisser un héritage aux enfants, notamment l'héritage spirituel. C'est pour ça qu'il a posé à chaque fois les mêmes aux enfants. Il convoque ses enfants. Il leur dit, dans Genèse 49, versets 1 et 2, « Shema Israël, votre père. Écoutez et comprenez Israël, votre père. Pourquoi? Parce que la compréhension du message de Dieu est capitale pour votre vie, aussi bien sur terre que là-haut. Comprendre le message de Dieu pour votre vie.
Comprendre ce que Dieu dit, ce que Dieu veut est capital, même pour la réussite de vos enfants, de leur vie spirituelle. C'est capital. Beaucoup me demandent, frère, comment tu fais pour percer à chaque fois comme ça, pour aller comme ça, tout, je dois avoir un, c'est pas moi. Amen. C'est parce que Dieu m'aide à saisir à chaque fois le message qu'il envoie pour chaque saison. Dieu est le Dieu des saisons. Amen. Quand il m'a dit, laisse les églises, sors, j'ai laissé. Il faut comprendre Dieu. Quand il me dit, abandonne telle chose, mais il faut abandonner. Et ensuite, le Seigneur dit, écoute Israël, et comprends Israël, écoutez et comprenez. Ensuite, il dit, voilà le premier commandement. Tu aimeras. Tu aimeras Yahweh, ton Dieu. Parce que quand le grec dit Seigneur, l'hébreu dit, c'est pas Adon ou Adonai, c'est Yahweh, le tétragramme. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. D'abord, il commence par nous dire que Dieu est un. Il n'a pas dit Dieu est trois. Donc, on va dire Yahweh est un. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai est un. Un et indivisible. Un, c'est un. Ce n'est pas trois, un ou deux, c'est un. Parce qu'on va aimer trois personnes de la même manière. Voilà. On va faire quoi faire le Père, le Fils, le Saint-Esprit, on fait comment. C'est le seul Dieu. Ensuite, il dit, tu l'aimeras le de toute ta force, amen, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ça, c'est le premier et le plus grand de tous les commandements. Et Satan est venu dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos assemblées, dans nos pays, dans nos quoi. Il a dit non, le premier commandement, c'est de donner ta dîme. Le premier commandement, c'est de donner tout ton salaire. Folle. Voleur. Beaucoup de gens vont arriver à la porte du ciel. Vous savez ce qui va se passer? Ils vont arriver comme ça, ils vont frapper. Le Père va répondre, oui. Seigneur, c'est moi. Toi, t'es qui? Le Seigneur. Mais je te servis, Seigneur. Seigneur, moi, je fais 3 jours à 7 chaque année. Ah oui, Seigneur. Je fais 7 heures en langue chaque vendredi. Alléluia. Amen. Il dira, c'est bien. Seigneur, moi, je vais balayer ton église. Ah bon? C'est toi qui as reçu l'enfant pour balayer l'église? Seigneur, oui. Eh bien, moi, Seigneur, j'étais un partenaire financier. Ah bon? D'accord. Et le Seigneur dira, et le premier commandement, qu'est-ce que tu as fait? Seigneur, on ne l'a pas enseigné ça. On ne m'a pas appris à t'aimer. On ne m'a pas enseigné à te chercher. On m'a enseigné à chercher les hommes de Dieu. Pour ouvrir un commerce, tu dois chercher mon pasteur. D'abord, appeler un homme mon pasteur, ça c'est une insulte au Créateur. Parce qu'aucun chrétien de la Bible n'a appelé un homme mon pasteur. David a dit, Yahweh est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Peut-être vous manquez de tout, parce que lui ne va pas vous berger. Jean, l'amour consiste à quoi?
mais ce n'est pas ce que je vais vous partager là. C'est... Nous sommes dans Jean. Alléluia. Verset, chapitre 15, verset 13. Je veux lire ça dans la version de la VGC ou la Martin. Ou le Sterbal, donc la traduction du texte manuscrit. Jean 15, 13. Personne n'a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Bye-bye. Personne n'a de plus grand amour que celui de donner sa vie pour ses amis. Pour la séquence. Aimer Dieu, c'est... En fait, c'est mourir. Non, on va se suicider parce qu'il va l'enfer en fait. Toujours équilibré, hein, parce que... Voilà, c'est important. Aimer Dieu, c'est mourir. C'est-à-dire quoi? Dieu, si tu... En fait, plus Dieu te tue, plus tu vas l'aimer. Plus tu meurs à toi-même, plus tu vas aimer Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a dit, celui qui, n'est-ce pas, ne va, qui n'est pas capable d'haïr sa propre vie, son père, ça n'a pas au point de résoudre l'attention, c'est pas ça. Celui qui ne peut pas haïr son père, sa mère, sa propre vie, sa femme, ses enfants, ne peut pas être mon disciple. Fort. Bon, jusqu'à quel point aimez-vous Dieu? Je prêche l'évangile ici et là, ma mère tombe malade, 22 ans de maladie. Dieu me dit, prêche ma parole. Elle pesait 30 kilos. Je dis, Seigneur, tu guéris les autres plus gros, tu guéris. Et moi, il dit, c'est pas ton problème. Mon père décède, il me dit, laisse le corps là, pas prêche ma parole. C'est que moi, ma mère décède. L'autre enterrement, Dieu me dit, va au Canada, comme tu as donné ta parole, va prendre ta parole, laisse les mots entrer leur monde. Le deuxième de la famille, de ma famille, pauvre, mon pauvre frère, décède au mois de mai. Dieu me dit, va prendre la parole. Là, au mois d'août, le frère, mon frère est né, décède, Dieu me dit, va prendre la parole. Jusqu'à quel point est mon Dieu? C'est facile de dire qu'on aime Dieu quand tout va bien. Mais c'est facile. Seigneur, tu vas donner plein d'enfants. Oh, je t'aime. Je te dis non, c'est bon. Même par intérêt. Ah oui. Et Dieu. Ah. Oh, Seigneur. J'ai compris une chose depuis toutes les années que je servais le Seigneur. Je n'ai pas servi Dieu correctement. Seigneur, j'essayais seulement, attention, ne vous inquiétez pas, mais je veux dire, j'essayais. C'est que maintenant, je me rends compte que je ne connais pas grand-chose. Après tous ces désirs, j'ai compris que Dieu est plus grand que ce que je croyais. J'ai compris qu'il est plus souverain que ce que je croyais. Il fait ce qu'il veut. Il n'a pas de compte à nous rendre. Quelqu'un que tu aimes, il le prend et il dit, va prêcher ma parole et tais-toi. Il dit, j'ai quelqu'un de l'homme, oui, mais je veux t'enlever par une plaie soudaine, une mort soudaine. Celle qui fait l'objet, il y a la joie des yeux. Ne pleure pas, ne chérie pas. Tu tapes la bouche et tu vas prêcher ma parole. Il dit, j'ai parlé au peuple le matin, le soir, ma femme, cadavre, elle est décédée. Et j'ai fait la prise de sauver le voyage, elle est partie. Il dit, Esaïe, oui, mais viens, enlève tes chaussures, enlève ton pantalon, ta tunique, enlève ton haut, tout, nu, il marche de la rue. On dit, le prophète, mais où est-ce que je suis là? C'est un ordre. Acclame Jésus. Démons.
et l'Éternel des armées. Et monsieur, si tu vas aimer quelqu'un qui fait ce qu'il veut, qui ne veut pas ce que toi tu veux, mais qui fait ce que son cœur désire. Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent fléchir Dieu avec des belles paroles. Ou parce qu'il pleut. Quand on va appeler pour dire qu'on a fait une crise, il est dans le coma. J'ai pleuré, Seigneur, tout le esprit, tu reviens son corps. Quand je vais te prier, tu ne vois pas lui, il est mort. Dieu l'a pris. Mes amis, Dieu, il dit à Pierre, quand tu es jeune, tu es là où tu voulais, tu fais ce que tu voulais, tu le saignes toi-même. Mais quand tu seras vieux, quand tu seras revenu, quelqu'un d'autre te saignera et te conduira où tu ne voudras pas. Et il faut continuer à l'aimer. Tu jeûnes, tu pries, tu fais 3 jours de jeûne, tu reviens comme ça, aucune réponse. Qui n'a jamais été en colère contre Dieu ici? Hein? Qui n'a jamais convoqué Dieu à la barre? Dieu, oui, mon fils. Est-ce que tu peux venir un peu à la barre? Ouais. Jérémie l'a fait. Hein? Il dit, tu es trop juste pour que je conteste avec toi. Mais néanmoins, je voudrais quand même te poser des questions sur ta main. Il a d'abord commencé par dire, tu es trop juste. Mais! Donner à ton assemblée, si tu n'aimes pas Dieu, si tu meurs, peut-être tu vas l'enfer. On doit commencer par t'apprendre à aimer Dieu. Qui est Dieu? Dieu est notre créateur, celui qui t'a créé, celui qui m'a créé. Dieu est le père de toutes les personnes qui ont reçu dans leur cœur Yeshua. Donc, pour les chrétiens véritables, pas les religieux. Donc, Dieu est notre père. Et un père châtie. Un père corrige. Un père enseigne par la correction, par la discipline. Parce qu'il ne veut pas nous perdre. On nous a trop éloignés du Père. On nous a trop éloignés de Dieu. On nous a parlé de bâtiments. On nous a parlé de l'argent. On nous a parlé de costumes. On nous a parlé de voitures. On nous a parlé de la prospérité financière. Frères et sœurs, la vie d'un homme tient en fil. Tu peux avoir des milliards. Si tu n'as pas la relation avec Dieu, si tu es dans le péché, tu meurs comme ça, tu vas souffrir pendant l'éternité. Je me suis rendu compte que tout est vanité. Je me suis rendu compte que Dieu est celui qui fait tout, celui qui fait. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas parce que tu jeûnes que tu agis. Non, c'est faux. Il a agi avant que tu ne naisses. Il a dit tout est accompli avant que tu ne sois là. Alléluia. Il a vaincu Satan et la mort avant ta naissance. Au fond. Que Dieu a été immolé dès la fondation du monde. Tu n'étais pas recréé que Jésus était sacrifié. Amen. Donc on n'a aucune raison de se glorifier. Moi. Ah non, moi. Ah, moi, l'homme de Dieu. Moi, le grand prophète, le grand apôtre. Ah, je fais une prière pour ta vie. Dieu t'a guéri. Ah bon, Dieu m'a dit que tu as prié, tu n'as pas compris. C'est par son nom que je suis sûr, par son nom que je suis sûr. C'est par le nom que je suis sûr de Jésus de Nazareth que nous avons la guérison. Tu n'es pas guéri parce que j'ai prié pour toi. Je dis pas que je suis appelé pour moi, Dieu m'a dit que j'ai été guéri. Non, Dieu t'a guéri sur la croix. Il t'a guéri. Quand son sang a coulé, il a signé, l'enfer ne peut que se retirer de ta famille parce que le Seigneur a dit, oh, alléluia, Jésus, oh, alléluia, Jésus. Oh. Comment ne pas aimer?
est un tel Dieu. Depuis que tu le sais, il ne l'a jamais déçu. Jamais. Quand je suis malade, ça fait 3 ans que je ne vois pas le médecin. Aucun médecin. Quand j'ai un problème des anges, je viens de le déploie, je me réveille, tout va bien. Quand Dieu n'a pas changé, tu dois l'aimer de tout ton cœur. Tu peux avoir des beaux yeux, mais tes yeux ne valent rien par rapport aux yeux de la libre. Capable de me dire, Père, je t'aime. Je vous dis, il s'occupe de nous, hein. Il s'occupe.
détail. J'étais dans l'avion tout à l'heure, en venant. On a atterri avant, on a marché notre vol hier. J'avais mal sur le côté, j'avais mal le Seigneur, là où j'étais assis. Le Seigneur, je voudrais bien changer de place. On était déjà dans l'avion. Je voudrais bien changer de place parce que là, mon mal, c'est. Vous savez quoi? Une femme qui travaille chez Air France vient me voir. Elle me dit, venez. Madame, c'est une sœur, Christ. Elle me dit, venez. Viens, plutôt. Je dis, bon. Prends tes bagages. Il me reste déjà. Je dis, on va où là? Ne criez pas. En premier. Après un séjour, un court séjour à Évry, et cet été, après une prière faite par un prédicateur évangéliste, il y a eu guérison. Les crampes ont disparu, donc le médecin a attesté la guérison. C'est signé. Oh, c'est fort! Une femme, 19 ans de sida. Elle dit non, non, il faut que j'aille parler là-bas parce que ce que je vois là, c'est fort. 19 ans de sida, elle avait une boutique, tout le monde se moquait d'elle. Personne ne voulait aller acheter des choses dans sa boutique parce que tout le monde disait, elle a le sida. Elle est venue à Évry lors d'un programme de réveil. Personne n'a touché. Elle a dit, moi, c'est pas forcément ce monsieur là, moi, je crois que c'est Dieu que je vois là. Elle s'est assise, le ciel s'est ouvert devant, au-dessus de sa tête. Un faisceau de lumière est tombé sur elle. Guérie instantanément. Elle est allée faire des examens, le sida a disparu. Nous sommes allés en mission en Allemagne. Un homme vient me voir et me dit, tu veux les enfants, j'ai le sida, je veux mourir. Je lui dis, mais on n'a pas un problème ça. Ah, c'est bon, c'est réglé, je fais ça, donne-moi tes mains. Il me dit, c'est réglé, c'est fini, c'est réglé. Il me dit, bien, c'est fini, c'est réglé. Il est parti faire des examens dans deux laboratoires différents. Il appelle, il dit, souriant. Il dit, le sida a pris ses charmes à son cou. Un monsieur, dans un programme à Liège, vient sous fauteuil roulant. Il dit, on m'a dit, quand je prêchais, il m'interrompt, il me dit, on m'a dit, si je vais, je vais guérir. Je lui pose la question, est-ce que moi je peux te guérir? Il me dit, non. Il dit, Dieu, ok, d'accord. Il se passe des choses, ça fait les deux ans, on a pleuré, elle a pris dans ses bras. Des cancers, hépatite, cancer, une femme vomissait de bout de foie, de morceaux. Elle avait un sac rempli de médicaments, 3 kilos au moins. Elle est venue, Dieu dit, je te guéris. Elle est allée faire des examens, elle te dit, mais le foie que tu as là, il vient d'où? Un foie tout neuf. Une femme vient, elle dit, frère, oui. Elle dit, on m'a fait une ablation de l'utérus, fait les deux trompes. Mais je suis marié, je n'arrive pas à avoir des enfants. Oulala, c'est compliqué là. Mais pour nous, c'est compliqué, mais pour Dieu, rien n'est possible. On va prier, on a prié. Je lui ai demandé au frère, c'est vous pensez que Dieu peut la guérir plus loin? Oui. Même si vous n'avez pas d'enfant, vous dites oui. On a prié. Elle part avoir fait des examens, le médecin a crié. L'utérus commence à repousser, et les deux trompes également, frères et sœurs. En Jésus,
personnes. Et à la fin, on dit non. Il y a un seul qu'on n'est plus. Arrêtez. Ils ont dit non. On ne va pas arrêter. Mais là, s'il vous plaît, arrêtez. Non, 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 non. On va continuer. Frère, Dieu est trop fort. Au Gabon, des choses que Dieu opère. Ici, là. Non. Comment ne pas aimer un tel Dieu? Quand vous voyez des frères et sœurs quitter de loin, venir de loin comme ça, c'est pas parce qu'ils suivent les hommes. Parce qu'on voit Dieu. On vit Dieu. On est en train de comprendre, d'expérimenter Dieu. Et je suis convaincu que le temps de la Côte d'Ivoire est arrivé. Je viens vous annoncer que le temps nouveau arrive car je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Oh, vous savez, pour finir à faire prier, quand on tombe en bon du Seigneur, naturellement on va aimer les autres. C'est naturel. Tu ne peux pas aimer l'autre si tu n'as pas reçu l'amour de Dieu. Tu vas aimer selon les hommes, sentimentalement, mais aimer comme Dieu veut qu'on aime. C'est impossible si on n'a pas au préalable reçu cet amour. Et quand on reçoit l'amour pour le Seigneur, l'amour du Seigneur, on va aimer les gens malgré leurs différences, malgré leurs différences. On ne va pas les voir tels que les hommes les voient. Non. Tu ne verras même plus leur origine ethnique. Tu vas les voir comme Dieu les voit. Vous savez, j'ai compris une chose par l'esprit. Beaucoup de chrétiens meurent dans les églises. Vous savez pourquoi? Parce que ces églises sont devenues des tombeaux. Aujourd'hui, si vous voulez avoir une vie chrétienne normale, parce que j'ai compris, il faut fuir nos assemblées. Parce qu'elles sont devenues des lieux de règlement des comptes où les gens sont exécutés avec la parole. C'est pour cela que Dieu dit qu'on peut que sortir du milieu d'elle. Chaque chrétien doit avoir une relation personnelle, d'abord avec Dieu. Ensuite, ceux qui sont mariés, vous devez avoir des temps de prière avec vos femmes, vos maris, vos enfants, chez vous.
C'est vrai pourquoi? Parce que le Seigneur est en train de revenir. Nous allons parler des enseignements, vous parlez du nouvel ordre mondial, du gouvernement mondial, avec tous ces migrants, ce qui se passe à l'Europe. Tout ça, c'est prophétique. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est le gouvernement mondial qui se met en place. Quand on a atterri, j'ai vu tous ces militaires français, j'ai vu l'ONU, tout ça. Vous voyez, c'est, il faut qu'on se prépare, mes amis, le Seigneur de plus loin. Écoutez, dans les prochains mois, même pas, dans les prochaines semaines, là, une nouvelle crise va secouer les nations. Ça va être sans précédent. Et c'est à l'issue de cette crise que l'on va présenter au monde officiellement le gouvernement mondial. Le Seigneur a dépêché beaucoup d'anges pour préparer les chrétiens à mener une vie de sanctification en vue de l'enlèvement. C'est pour cela que vous verrez que la majorité de nos assemblées, 95% dans cette assemblée, c'est le diable qui travaille. C'est le Dieu mammon, c'est l'argent, c'est la compétition. Qui s'habille le mieux? Qui a la dernière voiture? N'est-ce pas? Qui a le dernier 4x4? Qui a le bâtiment climatisé? C'est seulement Babylone. C'est fini, on a le temps. Ne cherchez plus une église stable, potable. C'est pas ça le message. C'est fini. Un conseil, je vous donne un conseil d'un frère. Préparez vos enfants pour l'enlèvement. Préparez vos maris, vos femmes pour le maître. C'est fini. Nous n'allons plus ici et là pour commencer des églises. Non, bien que tu vois, on va implanter une assemblée, on va établir un pacte. C'est fini ça. Non. Il faut qu'on sorte de cette vision-là complètement. Vous savez, sectaire. Dieu voit une seule église. Dieu voit son peuple. Dieu voit ses enfants. Dieu reconnaît ses enfants parce qu'ils se retrouvent en son nom. Parce qu'ils se retrouvent autour de son nom, autour de sa parole. C'est tout. Je ne dis pas qu'il n'y a pas les églises locales ici à la Cité. Ok. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous ne serez pas sauvés parce que vous faites partie d'une église locale. Vous êtes déjà membre du royaume de Dieu si vous êtes né d'en haut. D'accord? Il ne faut jamais l'oublier. Ne laissez aucun pasteur, aucun prédicateur venir vous mettre le grappin dessus pour vous dire que vous êtes sous son autorité. Sortez de toutes ces autorités-là. Nous sommes tous sous l'autorité de Christ, de Jésus-Christ, notre maître. Nous avons tous un seul Père, Adonai, El Shaddai, El Elyon, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. Yeshua. Nous avons, frères et sœurs, ça c'est des conseils. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Qu'est-ce que sa parole dit? On me lapide. Vous voyez comment on traite le nom sur Internet? Comment on veut le tuer? On veut nous empêcher d'affoisonner deux fois? Vous savez pourquoi? Parce que nous voulons aimer tout simplement la parole du Seigneur. Nous voulons obéir tout simplement au Seigneur. C'est aussi simple que ça. Regardez le nombre que nous sommes. Juste une première soirée, c'est parce qu'il se passe quelque chose. Dieu est en train de parler à son peuple. C'est le dernier réveil. On n'est pas les premiers à vivre ce réveil-là. Dans les nations, ici et là, des chrétiens comme vous sont réveillés. Et une prise de conscience. Voilà. Vous savez, le Seigneur a dit quoi? Le plus grand parmi vous va être le serviteur de tous. Alors regardez dans nos églises, c'est l'inverse. Le plus grand, c'est celui qu'on adore. On se met à genoux devant lui. On se courbe devant lui. On appelle papa matin midi soir. On le sait. On essuie son visage quand il prêche. On le appelle papa, papa, papa. C'est pas de la vie. Vous comprenez? Réveillez-vous. Comment expliquez-vous des gens qui se disent avoir le même esprit dans la même assemblée et qui se font la guerre, qui ne peuvent pas s'entendre? C'est que il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Ah. On n'aime pas Dieu. Dieu pleure. Dieu souffre.
Les âmes sont dispersées ici et là. Je souffre. Où sont les bergers véritables? Qui prennent soin du troupeau, qui ne sont pas là pour leur ministère, qui mettent de côté leur ministère et qui voient le royaume, l'intérêt du royaume. Les âmes. Et Dieu nous garde. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Dieu nous donne toute l'Afrique à l'heure. Toute l'Afrique. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup prophétisé sur l'Afrique. Sur la femme du Seigneur. L'amour de l'argent. Comment peut-on savoir qu'on a l'amour de l'argent? Si tu es inquiet quand tu n'as pas l'argent, que tu es cupide. Si tu as des inquiétudes par rapport à ton lendemain, parce que tu n'as pas de quoi te nourrir, c'est que l'argent est devenu ton Dieu. Oui. Ne vous inquiétez pas du lendemain de sa vie. Alléluia. Que personne ne vous éloigne du Seigneur. Personne. Qui est un prophète? Un prophète. Dieu me dit de parler de ça. Un prophète, c'est pas celui qui vient et qui dit, il y a quelqu'un ici, je vois son numéro de téléphone, c'est 0640, tout ça, ça c'est pas un prophète. C'est le prophète de Baal. Un prophète, c'est pas celui qui va mettre des produits sur sa tête, hein, défriser ses cheveux. On est prophète. Un prophète. Seigneur, merci.
Merci pour cette personne. Que tu détaches de la mort. Tu es venu ici avec la mort qui te poursuit. Là où tu es assise, là. Sors, la mort te lâche. Je dis quitte cette femme. Pas de sa vie au nom de Yeshua. Je ne veux pas t'entendre. Dieu veut te sauver. Tu ne vas plus mourir. Ce soir, c'est ta délivrance totale et définitive. Au nom de Yeshua. Maintenant, voici ta délivrance. La mort te lâche. La mort te lâche. La mort te lâche. La mort te lâche. Sors d'elle. Je dis lâche-la comme ça. Voilà. Merci, Saint-Esprit. Lâche-la. Voilà. Sors. 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 Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua,
Jésus de Nazareth est en train d'opérer quelque chose là sur ta vie, dans ta vie, dans ta famille. Le Seigneur, oh alléluia, apporte la joie dans ta vie, ma soeur. Dieu est là. La puissance de Dieu vient sur toi maintenant dans le nom de Yeshua. Oh alléluia, alléluia. Tu es là, tu as demandé des jumeaux au Seigneur. Dieu dit, exauce ta prière, parce que tu l'as fait avec foi. Tu vas glorifier le nom de Yeshua, notre Seigneur le Sauveur. Oh, alléluia, magnifique Seigneur, magnifique Seigneur, magnifique Seigneur, magnifique Seigneur. Mmh. Cette chose qui vient de souiller dans la nuit, là, qui vient d'attaquer toutes les nuits, là, ça vient de combattre. Toutes les semaines, tu suis ce combat, tu n'en peux plus, tu n'en peux plus. Tu es là, tu es là, tu es venu, tu viens de loin, tu souffres, tu n'en peux plus. Le Seigneur te connaît, il te connaît, il te connaît tellement que ce soir, il vient vers toi. Il te connaît tellement que ce soir, il vient vers toi pour te rendre libre, il vient vers toi pour te sauver, pour te libérer, pour te guérir, pour te soigner, car il t'aime le Seigneur. La présence du Père est là ce soir. Yahweh!
Père, merci pour ta présence. Apprends-nous à t'aimer, papa. Apprends-nous à t'aimer. Seigneur, nous prenons autorité sur toutes les maladies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes ces maladies sortent. Partent. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Ô Dieu de gloire. Ô Dieu de gloire. Cancer. Quelqu'un souffre d'un cancer ici. Le Seigneur te guérit. Là où je parle, au nom de Yeshua, le cancer te lâche. Maintenant, tu vomis cette maladie au nom de Yeshua. Hépatite ici, au nom de Yeshua. Quelqu'un qui te vient à guérir. Hépatite ici, au nom de Yeshua. Et le doigt à Dieu. Seigneur, merci. Merci, merci, merci. Quelqu'un qui ici fuyait l'appel de Dieu à cause des problèmes, à cause des souffrances. Parce que tu as été beaucoup blessé, beaucoup déçu. Il y a des gens ici qui sont déçus, les églises, tellement, tellement blessés. Le Seigneur dit, c'est le temps de la restauration. Je suis venu vous restaurer au nom de Yeshua, alléluia. Le projet pour les orphelins à ton pays d'origine, ce projet de construction. Le Seigneur te dit, je dispose des moyens pour mon enfant, ma fille. Ce projet verra le jour au nom de Yeshua. Dieu confirme ce qu'il a mis dans ton cœur. Les temps arrivent, alléluia, gloire à Dieu. Ce sont les temps nouveaux pour toi. Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Le Seigneur t'a mis à part pour aller confronter les faux prophètes. Tu es là. Tu n'as pas le choix. On va beaucoup te blesser, te rejeter. Mais tu parleras encore. Et tu parleras encore. Et tu parleras encore. Oh non, Dieu, choisis-vous et gloire à Dieu. Père, merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité, papa. Il y en a qui vont retrouver leur premier amour. Le premier amour que tu avais quand tu te convertis. Souviens-toi comment tu aimais Dieu. Comment tu l'adorais. Comment tu le cherchais. Indépendamment des hommes. Et des hommes ont éteint ce feu. Souviens-toi ce jour-là. Je sais que tu es une femme, pour ta mère, je veux la toucher. Elle va se convertir, elle va servir Dieu. Le Seigneur a entendu la prière au nom de Yeshua. Elle ne mourra pas sans avoir rencontré la vérité. Le Seigneur te rassure. Et ta famille également. Magnifique Seigneur. Ton dos est presque abîmé. Le Seigneur vient de te restaurer, de te guérir au nom de Yeshua. Père, merci. Le temps de ta famille est arrivé. Tu as assez pleuré pour ta famille, tu as assez demandé au Seigneur. Le Seigneur te dit que le temps de ta famille est arrivé. Je guéris ta famille, je bénis ta famille, ma fille. Je t'aime, je te connais. Je suis tes larmes, je suis ton père. Oh, alléluia. Prends courage, fortifie-toi. Vous qui venez du Ghana, le Seigneur dit qu'il y en a qui vont rentrer dans leur pays d'origine. Pour rappeler le feu. Pour beaucoup, c'est un pays de transition. Le Seigneur vous prépare. Dieu vous appelle ses guerriers, ses guerrières. Le Seigneur voit vos combats, vos luttes. Mais le temps de voir arrive pour vous. Le temps de restauration, de visitation. Les promesses que le Père vous a faites pour le donner se réaliser. Je vous vois en train de méditer, je viens de dire, je vois combien vous aimez ma parole, combien vous la lisez, et aussi combien elle
l'ennemi nous attaque dans les pensées. Que le Seigneur va nous révéler la sainteté véritable. Et je vous vois avec le feu de réveil dans vos familles au nom de Yeshua. Alléluia, alléluia. Les cœurs les plus durs dans vos familles, Dieu va les briser. Au nom de Yeshua, alléluia. Voilà Dieu. Oh, alléluia. Dieu de gloire, Père, merci. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent le baptême? Ceux qui veulent le baptême, venez les voir ici. On acclame le Seigneur pour leur vie. Alléluia. Venez. Acclame le Seigneur, gloire à Dieu. Waouh. C'est beau. N'hésitez pas, c'est le temps de la Côte d'Ivoire. Amen. Je voudrais dire aux frères et sœurs qui ont reçu le message depuis quelques années, voyez le que le Seigneur fait. La Côte d'Ivoire a besoin de vous. Il y a un peuple ici dans cette nation qui a soif. Un peuple qui a soif. Oh, c'est beau, c'est magnifique. Est-ce qu'on peut encore tous ensemble? Jesus.
Et on va prendre vos noms pour les livres aussi, hein, pour chaque famille.